ça continue. Encore et encore. C'est que le début, d'accord. Kibanan, aujourd'hui, on s'en va. Nous en allons. J'ai bien conjugué cette fois. Nous repartons sur Pemba. Nous allons essayer de descendre donc jusqu'à Zanzibar pour essayer de récupérer nos amis Charlie, Isa, les Québécois. Hostie, Carlis, Tabernacle. Il est bon, sirop d'érable. Ouais, bon, mon accent est pourri. Mon imitation est merdique. Donc, sommes-nous l'affaire quasiment presque en arrière. Contre vent, contre courant. Alors là, c'est la pleine lune. Je ne sais pas comment ça se passait dans le chenal, mais à mon avis, ça peut être du kiki bistouquin. Il n'y a pas trop de vent, mais à mon avis, il y aura une dérive de malade. Oui, mais peut-être qu'on aura du poisson quand il y a du courant. Peut-être qu'on va pêcher. T'as préparé la canne ? Jour de vérité. Est-ce que le moteur va s'arrêter ou ne pas s'arrêter ? On chauffe. On démarre. Et ben voilà. Voilà un moteur qui tourne bien. On fait de la voile, mais c'est quand même sécurité d'avoir les deux moteurs. Hein. C'est beau, une femme qui passe à serpillière au lever du soleil. 7 jours non-stop, tous les jours, avitaillement, de l'eau, du gasoil, de la nourriture, un peu de rhum, pas beaucoup. Bon, on peut survivre 3 mois avec ma jacuzzi. A bientôt Tanga, on va sûrement revenir. Hein. Donc on part donc sur Dar es Salaam. Au pire Zanzibar. Ah, je suis en train de lui faire des piments. Moi aussi, c'est pareil. Ah putain, les piments, c'est un truc de fou. Ah, c'est la première fois que ça fait ça, ça remonte dans la gorge. Ah ouais, ça pique la gorge. Ah là, c'est horrible. Les bananes, ils m'ont fait souffrir ceux-là. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Putain, c'est vrai, ils arrachent un putain. Ils vont faire mal. Hein. Alors, le matin, le vent est sud-ouest. Ah, donc, je vais descendre au maximum vers le sud. Prendre le cap le maximum vers le sud parce que le vent va tourner au fur et à mesure sud et sud-est. Comme ça, au moins, je pourrais dérouter ma route et aller au sud de Pemba. Voilà, le but du jeu, c'est de faire Pemba, Zanzibar et peut-être Dar es Salaam. Mais dans les vidéos passées, on vous disait que ça devrait être très très chaud en sens inverse avec beaucoup de vent, mais déjà quand il n'y a pas de vent, ça va vite dégénérer. Blacky va avoir traversé le chenal. Il y a les barres blanches qui arrivent sur notre bas bord. Ça va être une ligne de courant. On va se faire secouer un tout petit peu, je pense. Mais normalement, on devrait avoir le courant pour nous. Là, au lock, il y a 6-5 et 4-7 au GPS. Je pense que passer cette ligne-là, le courant sera pour nous. C'est bien blanc. Vas-y, t'approcher pour voir. On pourrait penser que ça serait du vent qui arriverait d'un seul coup, là, du 20-25 nœuds, parce que c'est blanc et ça tombe bien. Et comme le vent vient de tribord, ça peut être que du courant. Donc, ça approche. Si je me trompe pas, on devrait accélérer et avoir le courant pour nous. Donc c'est très important, hein, des fois, d'étudier l'état de la mer. Hein. En temps normal, la plupart du temps, c'est quand même le vent. Hein. C'est un signe que le vent va se lever d'un seul coup. Un grain, si vous voyez blanc comme ça là, faut vite affaler le Jennaker, réduire. Vous pourrez croire qu'à 20-25 nœuds de vent, il n'y a que 10 nœuds. La ligne de courant est sur notre tribord maintenant et nous avons augmenté notre vitesse GPS. Finalement, si nous étudions tous ces paramètres, il vaut mieux venir de Tanga à Pemba avec la marée haute, car on a gagné 30 degrés en cap d'un seul coup. Et maintenant, voilà, il y a 5 nœuds, 7 au lock et 7 nœuds au GPS. Donc Tanga, Pemba, marée montante, Pemba, Tanga, marée descendante, je pense. Nous sommes au mouillage de Kindoji. L'automne arrive. Si on mangeait des rouleaux de printemps. Avec chaque couille après bouille, un autre pack des nouilles. Mais des rouleaux de printemps aussi. Et ouais. En fait, ce qui m'a donné l'idée de faire des rouleaux de printemps, c'est la menthe. On a trouvé de la menthe hier. Et comme on avait des crevettes au congélateur, vous savez les petites crevettes qu'on a achetées l'autre jour. Ça me donne. Voilà, qui était au congélateur, toutes décortiquées. Je me suis dit, pourquoi pas faire des rouleaux de printemps. Et les rouleaux de printemps, les bananas, c'est super facile à faire. Il nous faut des feuilles de riz.
comme ça. On dirait du plastique. Mais ça, ça se mange, ça. Ben oui, c'est des feuilles de riz, choupi. Mmh. On fait des nems aussi avec. Il nous faut de la salade, de la menthe, des carottes râpées, des crevettes. Ah, ben je prends une petite crevette. Dans la recette que j'ai, il faut de la viande. Et là, je me suis dit, pourquoi pas mettre un peu de confit de canard? Ça pourrait être pas dégueu. Voilà. Pourquoi ne pas mettre du confit de canard? Juste. Mais non, mais c'est parce qu'on va manger une boîte de confit de canard qu'on a acheté de Mayotte, là. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit peu de viande, comme ça, j'ai pas besoin de faire cuire. Et puis, du vermicelle chinois. Ok? Donc, allez. Il faut humecter. Humecter la feuille de H-U-M-E-C-T-E-R sur un torchon, évidemment, hein. C'est pour C-O-R-C-H-O-N, torchon. C'est pour amollir la feuille. Feuille, F-E-U-I-2-L-E. Oh, t'as fini, oui. Motus, tu l'as dans le... On va mettre un petit peu de... De sucre en poudre. Oh là là. Un petit peu de... ça c'est comme ça, ça. C'est le vermicelle chinois. Mais ça a été cuit dans. Ah, ça a été cuit, mais voilà, mais tu montres pas ça, bébé. Mais oui, mais c'est celles qui savent bien les bananas, ça se fait. Mais non. En fait, vous prenez votre vermicelle chinois, vous versez de l'eau chaude dessus, vous laissez tremper 10 minutes et ensuite il faut égoutter, tout simplement. Donc on rajoute un peu de salade. Salade verte. Salade verte. On va mettre quelques feuilles de menthe. Et comme elle sentait super bon, la menthe, oui, et ça m'a donné envie, en fait. On va mettre 2-3 petites crevettes. C'est beau. Là. Et on va mettre le fameux confit de canard. Mais t'as pas l'impression de mettre tes bras devant le rouleau de printemps? Ah ben pardon, écoute. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va rouler. Et pour rouler, on fait... Hop, on serre bien. Ah non, tu mourras pas. On fait comme voilà. Ça. Et là, on roule, et on roule. Et qu'est-ce qu'on a? Un rouleau de printemps. Un rouleau de printemps. Et ça, faut le faire cuire? Ah ben non, le rouleau de printemps, choupi, ça se fait pas cuire, ça se mange froid. Oh là là, mais il faut tout lui apprendre. Hein. Je peux être con, alors. Mais par contre, si tu veux en cuit, on pourrait faire, si tu veux, des nems. Ça se fait pas des fois. Mais non, ça c'est le rouleau de printemps. Mais si tu veux des nems, je peux t'en faire. Non, c'est bien. Okay. Là, je vais prendre une dernière petite crevette. Oui. Voilà. Ok. Je vais pas faire time lapse. Hein. Bah non, vous avez compris. Hein. C'est pas bien compliqué. C'est facile à faire en bateau. Ça peut se servir en apéro. C'est pas mal aussi. Voilà quoi. Bah, je vais prendre une dernière petite crevette quand même. Allez. J'avoue les bananes. Ouais, c'est Jacouille. Salut les bananes. C'est rouleau de printemps. Allez, salut les bananes. Alors, il n'y en a même pas un qui m'a dit que j'avais oublié de mettre les carottes dans l'autre. Ouais. Hein? Quand même, les bananes. Oui. Bon, allez, on vous remonte une fois. Donc ça, tu roules. Je roule. Comment tu fais? Je serre bien. Ouais. Tu ne mourras pas, hein? Tu ne mourras pas, choupi. Waouh. Oh, ils sont beaux. Ouais, il manque un peu de forme. Ils sont beaux. Hein. Bon, Jacouille a progressé, arrêtez de dire comme ça. Je fais des efforts. Mmh. Avec Jacouille la fripouille, on fait des rouleaux de printemps. Des rouleaux de printemps. Rolex banana. Oui. Aujourd'hui, 36 000 de Sazam Pemba, Sud Pemba. Nous partons nord de Zanzibar, Kendwa. Étape numéro 2. Sûrement, on va faire du moteur. Il n'y a pas trop de vent. Mais. Mais ça va, tu veux que je te fasse la même chose, toi? Il n'y a pas trop de vent, mais c'est pas grave. Pour 36 000, on va faire 6-7 heures de tête de moteur pour arriver au nord de Zanzibar. Là, ce passage peut être très très chaud. Et là, on est pleine face, courant de face, moins de 10 nœuds annoncés. S'il y a le bon vent, on va faire de la voile. On va faire de la voile. Mais s'il n'y a pas de bon vent, on va pas tirer des bords, on va pas s'amuser dans le courant parce qu'on va faire du surface. Ça, je le sens. Ça, je le sens. Ok, nous partons, il fait encore nuit. Le jour se lève. C'est parti, Jacouille. C'est beau, cette petite première lueur du jour. Cette Jacouille, dans son trou, dans sa baille à mouillage. L'ancre est en train de remonter dans la nuit. Je vous décris car il fait nuit. Légende de la ville, 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 mon pied, mon panier, ma main. Cette fois-ci, Blacky, il lutte au moteur. Nous sommes à 3,5, 2500 tours, donc il n'y a pas de vent, c'était prévu. Et
donc un signe vraiment qu'il y a beaucoup de courant cette fois, c'est pas du plastique et c'est tant mieux, pas comme en Malaisie ni en Asie quoi. Il y a plein de méduses à voile à la surface de l'eau. Mais quand je dis plein, c'est des dizaines et des dizaines. On ne le verra pas sur la GoPro malheureusement. Il y aura un problème de pilote parce qu'il navigue pas le droit du tout. Alors le mec il est bourré. Quoi. Et quand je dis pas le droit, il fait des mouvements de 30, 60 degrés. Oui ben là, on a fait la moitié, on est bien, le vent ne s'est pas trop levé. Donc on avance au moteur, heureusement, parce qu'avec le courant. Et la jacouille elle est super contente, la jacouille. Pourquoi elle est contente la jacouille? Parce que je prépare les draps pour Charlize. Et elle s'est acheté des beaux draps, regardez, aux couleurs africaines et tout, Made in China hein, quand même. Hein. Et elle va coudre des beaux draps. Elle est contente, la jacouille. C'est longtemps qu'elle n'avait pas sorti sa machine à coudre. Ouais, je suis contente. 5 nœuds devant, regardez comment bouge le ferry. Regardez ça. J'avais coupé le contact du moteur. Et en allant gentiment faire pipi à la jupe du bateau. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Il y a le moteur qui continue à couler de l'eau. Le refroidissement de l'échappement du moteur. Alors je retourne voir et je vois que le contact est quand même éteint. Et je sais pour quelle raison. Le moteur est resté allumé. Donc il doit y avoir un faux contact là-dedans. Et ça continue encore et encore. Décidément, ce moteur là, il commence un peu à me. Il ne voulait plus s'allumer. Il ne veut plus s'éteindre. Mais puisqu'on vous dit qu'il y a toujours un truc à faire sur le bateau, le ciel est bien bas, les conditions sont réunies pour qu'une trombe d'eau se forme. Une trombe d'eau, une trombe d'eau, une trombe d'eau. La jacouille est barbouillée. Elle me dit je vais m'allonger un petit peu. Elle me dit je dors pas, je vais juste m'allonger. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Et nous arrivons à Kenwa, deuxième étape, deuxième chenal. Alors, chenal ou chenaux? Ah non, je me pose la question, je regarde. Moi je pense qu'on est chenaux. Je pense aussi chenaux. Ah oui, un bocal, un robot, un cheval, des chevaux, un anal, des anneaux. Oui, c'est ça, c'est bon. Alors, donc on arrive à Kenwa, donc on va voir pour la suite. On vous dit qu'il y a vachement de courant, vous allez voir. Ah ouais, c'est pas bon. Allez. Oh putain, on a perdu le bateau. Oh putain, le mec il revient. On est en train de faire la jacouille. Adieu ma jacouille. Mes oreilles. Mais tes oreilles, mais toi. Et voilà, j'arrive. Nous sommes repartis pour 33 000. Voilà, on fait des sections de 33 000. Toujours contre vent, toujours contre courant. Aujourd'hui, il devrait y avoir un petit peu plus de vent, 10, 11 nœuds. Donc on avance doucement et après on sera à moins de 40 000. Dar es Salaam. J'ai allumé le deuxième moteur parce qu'on avançait entre 2 et 3 nœuds. Et voilà, il y a un peu de vent, courant de face, boule de face. Donc maintenant, voilà, deuxième moteur, 5 nœuds. C'est assez rare que j'allume deux moteurs en même temps sur le bateau, mais là, pas trop le choix. Nous sommes arrivés à un banc de sable. Bon, on en a chié un petit peu là, face au vent. Mais c'est joli, regardez, du hublot. C'est joli, hein? C'est moi. Viens dormir. Stay or not to stay. Hé, montre-leur, je m'en choupi, il me dit, il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague. Il y a un banc de sable, je suis nu, je me suis fait. Embarqué par Orbital Map, l'application que je vous ai vantée de temps en temps, mais là je suis assez surpris. Regardez, il y avait un grand banc de sable avec des baraques dessus. Et donc du coup je me suis dit, bah, le banc de sable va être super bien protégé et tout. Je mets derrière le banc de sable parce que ça souffle sud-est assez fort et ça sera super joli. Sauf que Jacouille me dit, viens on va essayer la chambre, voir si on est bien ou pas. Mais t'es pas obligé de filmer ça.
Ah non, mais je crois que c'est juste pour dormir. Ah mais j'avais pas. Ah non, non, non. Ah le guet-apens, ouais. Bon, bah je vous laisse les bananes, à plus tard. C'est non, correct, en fait, les bananes. C'est correct dans la chambre. Hein, ouais, ouais. Je m'attends que ça. Hein. Non, ouais. Putain, on hésite, hein, parce qu'après, une heure grand max, ça sera trop tard pour bouger. Hein. Ah, énorme. Ouais. Et là, vous êtes en train de vous dire. Mais putain, sont mais cons. Qui sont cons. Bougez, vous allez mal dormir. À minuit, on va être comme ça. Oh putain, on aurait dû bouger, bordel de merde. On aurait dû bouger. Mais non, mais tu piles là, t'as fait n'importe quoi là. Mais je bouge pas. Non, mais, chiant, hein. Mais là, c'est bien, ça va, c'est calme. La décision est prise. Nous restons. Oui, parce que si on va au mouillage qui est derrière là, 7000, et que finalement, c'est pas si bien protégé que ça, et ben on aura fait 7000 pour nous. Ouais. T'as raison, moi je suis. Qui ne tente rien à rien. Oui, bon, enfin, on y est, on reste, hein, on est bien accrochés, c'est que du sable. On risque rien là. Et s'il y a des vagues de 10 mètres dans la nuit. Dis pas n'importe quoi, je dis. Bon, allez, on reste là. De toute manière, là, dans 2 heures, la marée haute. Après, elle va redescendre. Donc, t'as dit que le vent est. Après, elle va remonter, après, elle va redescendre. Le cycle de la vie. Et demain matin, on partira tôt, voilà. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Et on dormira on mieux. On est des aventuriers ou on n'est pas des aventuriers. Voilà, on dormira mieux. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous nous emmerdez là? Non mais franchement. Mais putain, mais c'est vrai, on reste là. Allez, c'est parti. Mais non, si c'est parti, on reste là. On part pas. Ah oh. Regardez ce qu'il reste de l'îlot. Il reste pas grand chose. Hein. Elle est haute dans 1 heure. On se fait secouer, mais c'est à pleine marée haute. Donc patience, hein, parce que moi j'avais dit parce que c'est pour cette nuit. Pour la marée basse et tout, les Diajaku, la marée haute à 5h, donc 6h, vers minuit elle sera basse, 3h du matin elle va commencer à se faire secouer et il n'y aura plus de vent. Et là on devrait passer une bonne nuit. Le petit Majakouille, et ben on va bien dormir, tiens. Pour la peine Majakouille, on va se boire un petit rhum. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a que ça à faire. Je pense qu'il y a que ça. Elle est drôle celle-là. Il y a que ça à faire. On va s'occuper là. Il y a. Tu te fais là à se faire secouer la gueule. Ouais. On va faire un joli time-lapse. Enfin, tu vas faire. Ouais. On va voir si on va y arriver. Le soleil se couche à 18h22. Il est quelle heure? Il est 17h07. Alors là, il y a un vent de sable. Plein d'oiseaux. Black Lion et le soleil. Voilà, je vais planter la ça GoPro. Être sympa. Et on va voir comment ça va le faire. Allez, on y va. Mission numéro 1. Nous avons été déposer la GoPro sur l'eau de sable pour faire un time-lapse avec le coucher de soleil, Black Lion et les petits noyaux qui viennent comme ça à côté de la GoPro. Et les petites vagues. Ouais. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux dans la vie là. Une jacouille, un vent de sable, une GoPro, des oiseaux. Et voilà. Il est où le bonheur? Il est là. Malgré qu'on se fasse secouer. Hein, nous avons trouvé notre Graal. La bonne raison de rester là ce soir. Ok, vas-y, arrière. Non mais je déconne pas. Voilà. Black Lion, Jacouille, Choupi, le soleil. Voilà. Voilà le mouillage de la nuit, banane. Ça va être chaud. Allez, qui c'est qui nous aide? Putain. Allez, vas-y. Attention. Mais non, mais arrête de faire houhou.
Mais non, arrête, arrête de faire haut. Comme en l'an 2020, la jacouille est allée dans le futur. Ça pire la jacouille. Nous sommes partis encore de nuit, le jour vient de se lever. Et direction Dar es Salaam, last destination. On va chercher Charlita. On va chercher Charlita. Et le vent va se lever fort cet après-midi en chenal. Pour ça, il est parti le plus tôt possible. On a mis le foc, la GV, on s'est du moteur. On est à 5 de 3. La tension est à son comble. Et on s'est fait secouer à 4h du matin. Donc c'est parti, Dar es Salaam, c'est par là. Et ça caille encore ce matin là. Il aurait dû passer plus près. Mais... La jacouille s'éclate avec la machine à coudre. Ouais. Et parure de drap, ça nous revient à 15 euros aux couleurs de la Tanzanie, couleur africaine. C'est chouette hein. Ouais, c'est chouette. Elle est contente. Une fois de plus, la machine à coudre, hein. Oh, elle a été rentabilisée, mais ah bah on aurait pu s'en acheter 20. Et vas-y, je te couds à droite, et vas-y, je te couds à tribord, à bâbord, je te le couds en haut, je te le couds en bas. Elle était contente depuis tout à l'heure, elle y va comme petite mitraillette, cette machine-là. Voilà. 4 jours, 30 000 de moyenne par jour. On aura fait sur 120 000, on aura fait 80-90 000 de moteurs. Mais le résultat est là. Voilà. Nous sommes satisfaits d'arriver à Dar es Salaam sans aucun problème. On va pouvoir récupérer donc nos amis Isa et Charlie. Nous avons 5 jours pour préparer le bateau et repartir dans l'autre direction, direction Tonga, en passant par Zanzibar, Pemba, et aller à la pêche aux moules et découvrir de nouveaux. Il y a une baleine juste devant nous. Ouais, génial. J'ai arrêté le moteur, on y va à la voile. Il y a le baleineau avec. Oh, youhou. Regarde, regarde, elle est là. Oh, oh, excellent. C'est génial, on a fait 7 000 avant d'arriver à Dar es Salaam. Une baleine qui venait juste de mettre bas, on est passé juste à côté, sous voile. La déranger le moins possible, on s'est mis à la dérive. Charlisa, on vous récupérera donc ici à Dar es Salaam dans 4-5 jours. Quelques petits trucs, nous allons changer les LED. On va passer en 220 volts. Ça fait longtemps que ça me gonflait ça, le 12 volts. Ça marche très très bien, mais au bout d'un an, ça fait quasiment tous les ans que j'ai de changer parce que ça s'use. Aujourd'hui les bananes, c'est un grand jour. Il rigole parce que c'est la deuxième fois qu'il fait la prise. La caméra n'a pas passé. Alors, on fait jamais les prises deux fois. La caméra n'a pas marché. Et ouais. Donc j'avais dit juste avant ce qui était spontané. Voilà. Dans la vie, il faut toujours faire des choix. On voulait tout le temps sur un bateau encore plus que sur Terre. J'ai donc dit, j'ai le choix entre changer les LED, la lumière de Black Lion ou changer de femme. J'ai choisi de changer les LED. Choix difficile, mais choix courageux. Et on en a marre des 12 volts. On en a marre. Des 12 volts. On en a marre. Ça fait je sais pas combien de fois qu'on change les lampes 12 volts. Ça tient jamais très longtemps. Ou alors faut peut-être des bonnes qualités. On pensait avoir des bonnes qualités. Mais c'est chouette, mais ça tient pas. Hein? Oui, c'est chouette, mais ça tient pas. Donc nous virons notre LED 12 volts. Vous voyez qui clignote un petit peu là. Toc, toc, toc. Là, je viens de couper une grande partie. Et nous avons acheté pour 25 euros 10 mètres de guirlandes en 220 volts. Donc nous allons les remplacer. Et puis en plus ça change de couleur, comme ça on pourra faire la fête. Ouais, ça change de couleur, ça clignote, ça flash, tout ça. 25 euros avec le transfo, c'est pas cher en 220 volts. On va le brancher,
Et on va voir combien ça consomme également. On va voir si on a eu raison ou pas et si ça tiendra dans le temps. Voilà. Ok. De toute façon, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. On est bien d'accord. Donc avant de coller la guirlande qui n'a pas de scotch double face, on va passer un petit coup d'acétone, c'est bien. Donc là on a un bidon d'acétone, nous avons un chiffon et une jacouille qui va frotter. Ouais bah tiens, bah oui, bah, vu que tu te proposes, allez vas-y. Un petit peu d'acétone sur le chiffon. Attention, c'est cancérigène. Hein. C'est cancérigène, donc le faire avec des gants évidemment. Ouais. J'explique. Donc la guirlande est assez épaisse, au lieu d'avoir le transforme de 120 volts dehors, on va le faire passer à l'intérieur. Là on est dehors. On est dehors. On va passer à l'intérieur et là on est juste ici. Comme ça tout transfo, on va l'accrocher par ici. Ouais. Et on va faire passer ça avec un trou. Tu vas être trop. Ça donne envie hein, les bananes. Vous savez, il y a toujours une femme en maillot de bain qui tient Akita comme ça. Ça vous donne envie ou pas? Moi non. C'est bon? Ouais. Ça fait un gros trou. Retrouve dans le bateau. Hey. Je m'introduis dans le trou. Ah, ça passe de l'autre côté. C'est normal, c'était beau. N'empêche, il m'a dit que c'était quand même intéressant d'avoir une petite commis en bricolage. Moi, tu vois. L'essence des fleurs. Non, mais c'est vrai. Je suis la plus forte. Hey, mais quand t'as besoin d'un truc, non, mais, je te le fais passer. Va, c'est bon de voir ces petites bananes. Il m'a dit que j'étais trop belle. Je suis trop mignonne. C'était vachement important d'avoir une petite commis. Mais non, mais c'est pas vrai. Je te fais passer les outils. Ça te fait gagner du temps. Tu seras en maillot de bain, ça serait bien mieux. Oh. Ok. Comment on va mettre? Bon, je vais juste brancher. Mais faut le mettre que ça fasse joli, hein, parce que là, c'est moche. Faut, au moment qu'on. Au moment qu'on. Au moment qu'on. Ça marche pas. C'est de l'autre côté. Là, ça commence bien. Vive le 220 volts. Ah. Ce qui a un sens, évidemment. Si ça marche. Alors, ça vous fait toujours envie les bananes. Et on n'a pas de scotch double face, donc on va faire au. On n'a pas acheté exprès parce que c'est. On va faire au pistolet à colle. On va voir l'efficacité du pistolet à colle, voir si ça fonctionne bien ou pas. Tiens. Tu veux que je tienne? Ouais, toi tu tiens. Là? Ouais. Appuie quand même un petit peu. C'est installé. Alors il y a plein de petites clignotes. Tiens, tu veux t'amuser avec la télécommande? Non, parce qu'après tu vas me dire, ouais, tu l'as cassé. Voilà, stromboscope, flash. Et on s'est même pas disputé, ou presque. Oh, enfin, presque. Presque. Non, mais attends, la jacouille. Il y a des fois. Oh, mon mari dit que je suis une super commis. Oh. Il m'énerve, les bananes. Il m'énerve. On connaît une personne. Une histoire où quelqu'un est mort à cause d'un polentifling qui s'était ouvert dans la nuit. Les vapeurs, le couvercle s'était soulevé. Un vieux pourri qu'il avait gardé, c'est une chose qu'on ne garde jamais. Mais moi, je garde mes produits, mes Dilon Epoxy par exemple, parce que là, c'est le cas. Et tous les matins, on n'était pas très bien quand on se réveillait dans la chambre. Et devant, dans la cale avant, la cabine Skipper, c'est là où je stocke tous mes produits. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait le Dilon Epoxy. Alors, si vous n'avez jamais senti Dilon Epoxy, je vous invite. Il était cassé. Il était cassé, ça s'est vidé. Et du coup, on est en train de s'intoxiquer tout doucement. C'est ici. Je stocke tous mes produits, mes résines, tout ça ici, là. Et voilà, ça s'était ouvert. Et notre chambre est derrière ce mur-là. La chambre est là. Les bananes, bonjour. Est-ce que j'ai une tête de quelqu'un content ce matin? Devinez, allez, devinez. Je vais 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Zéro. Ah non, ça c'est zéro. Zéro. Ils ont pas trouvé. Pistolet à colle, c'est de la merde. C'est bien un truc que j'ai horreur. Regardez les guirlandes, putain. C'est bien de refaire deux fois la même chose. Ah, j'ai horreur de refaire deux fois la même chose. Oh, tout est tombé, pistolet à colle de merde. Quelqu'un crotte. C'est un pistolet de K4 Bistouquin, ça. Attends, t'es passé là, ils ont pas vu. Ah oui, et ça, regardez. Il y en a eu du monde à bord, là. Vous vous rappelez les petits de bateau Irias, là? Eh ben. C'est une des petites qui nous a fabriqué ça. C'est une petite poupée vaudou pour faire peur à ceux qui voudraient monter sur le bateau. Et en plus, ça s'allume. Ouais, vas-y, allume-lui le pif. Attends, ah. Allez. Je sais pas comment ça marche. Il y a juste un bouton, faut appuyer sur on. Ah oui, c'est vrai. Ah, voilà, c'est de la haute technologie. Vous avez vu les dents faites en comme ça, c'est trop chouette. Les bananas, ils m'énervent, Tchoupi. Il m'énerve, regardez ce qu'il fait, regardez. Il étale toutes ses affaires partout quand il rentre. Ça m'énerve. Regardez, il le fait exprès. C'est
s'il y a un truc que j'ai horreur, c'est de faire deux fois la même chose. Donc la LED s'est pété la gueule, mais alors complètement là, voilà. Donc on a acheté du Max Power HPX. Cette fois, nous allons tenter du double face qui peut supporter 50 kg. 50 kg, c'est presque le poids d'une demi-jacouille. Le salopard. Une jacouille. Et on pourrait accrocher une jacouille au plafond. C'est speaker jacouille, speaker jacouille. Tu peux marquer au plafond. Je te colle, je te colle, je te colle au plafond. Cochon, speeder cochon, il peut marcher au plafond. La, 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 la. Alors les bananes, on va savoir combien est la consommation des 10 mètres de LED en 220 volts. Ok, là c'est allumé, je vais éteindre. Attention, il y a 7 ampères, il y a moins 7 ampères. Hop, j'éteins. Allez, 3,60. 3,60, ça fait 3,5 ampères. 3,5 ampères. On vérifie, je rallume. Je viens de rallumer. Voilà, on consomme donc 3,5 ampères avec du 220 volts. Le transfo est ici. Et je peux changer de couleur. On va voir s'il y a un changement. On va mettre en flash. Hop, en rouge, en orange. Est-ce qu'il y a une différence? Ah, ça consomme un petit peu plus comme ça. Ah non, t'as ouvert le frigo? Ah oui, merde. Ah non, mais la banane. Et voilà, moi je suis avec mes bananes. On parle d'électricité, tranquille. J'ai couille, qu'est-ce qu'il y avait? Eh vas-y, que je t'ouvre le frigo, ta, je mets la lumière, tranquillement. Bon, ouais. Allez, ouais, non, ça fait 3,5. Allez, 3,5 ampères. Merci Jacouille pour ce petit moment de détente. Cette publicité frigo était sponsorisée par ma Jacouille. Aujourd'hui, petite nouveauté. Pour nous remercier d'avoir volé leur annexe deux fois, Philippe et Vin avaient une télécommande GoPro en plus dans leur bateau. Et qui nous ont donc offert. Et bah, c'est génial, comme ça, encore plus discret. J'ai ma GoPro sur moi, j'ai deux mains de libre, une télécommande, quoi, comme dit ma jacouille. C'est une télécommande, bah oui, mais j'explique. C'est vachement bien. Hop, attention, j'appuie. Blackout complet. Ciao les bananes, j'appuie. Est-ce que vous connaissez un centre antidopage? La jacouille, elle est accro, on a encore été racheter du tissu, elle a fait les draps. Et là maintenant on va refaire les poufs, elle va se faire des slips en couleur de l'Afrique. C'est un truc de fou. Hein. Il est trop beau le tissu. Et c'est dommage qu'on ne peut pas vous envoyer parce qu'on vous aurait fait un petit business, on vous aurait envoyé des beaux tissus aux couleurs de la Tanzanie. Le problème c'est qu'on ne peut pas envoyer en France. Une Maasai en femme. Qu'est-ce que tu veux? 10 mètres absolu, grand maître, grand capitaine. Non, avec plus de certitude et plus de volonté. Un peu plus de sincérité, s'il te plaît. Allez, un petit peu plus de sincérité. Un peu plus, dis-moi. Mari formidable, mon mari. Oui, oui, t'es pas formidable. Allez, oui. Non, mais y a pas de sincérité, ça j'aime pas. Oh, tu m'embêtes, hein. Reviens. Bon, bah je m'en fous, hein. Allez, viens me faire un bisou. Bah viens me faire un bisou, là. Là, à travers la vitre. Avec le coronavirus, il faut se faire des bisous à travers la vitre. Allez, choupi. Voilà, c'est bon. Ah, bah c'est bon. Mais qui m'en est? Demain, nous recevons donc nos amis. Nous sommes au dernier jour. Voilà. La jacouille doit s'ennuyer parce qu'elle a vraiment que ça à faire. Voilà ce qu'elle a fait. Donc, elle a décidé de faire le papier toilette au logo de Black Lion pour nos amis. Voilà comment on reçoit nos amis. Bienvenue Isa, Charlie. Et un peu plus haut, attention, le stylo déteint. Déteint. Ne pas se torcher avec la première feuille. Avec les premières feuilles. On a que ça. Ouais.
Et maintenant, nous sommes à l'aube de récupérer nos bons amis Charlie, Isa, demain à midi à Dar es Salaam. Tout ça pour vous dire quelque chose. Majakouille est ici. Hey, coucou les bananes. Nous avons une petite nouvelle offerte. Et regardez. Vous voyez pas un truc de nouveau quelque chose? Oui, je vais tout montrer tes draps. Oui. Eh oh, t'es en rémission là ou quoi là? Tu viens de faire ta désintox, tu n'as plus de tissu, tu te calmes. Parce que là, jacouille. Faudrait montrer les poufs aussi. Oui, tu te calmes, je vais montrer. Bon, je vous montre les poufs. Voilà, premier pouf. Là, jacouille, elle a eu un truc de fou. Là. Elle a été accro. Elle m'a fait acheter un tissu tanzanien. Après, on l'a fait acheter deux. Et au total, on a acheté déjà six. Oui, mais on va racheter. Non, j'ai dit non, c'était catégorique. Dites les bananas, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien refaire tout le carré dehors avec les tissus des poufs. Vous allez me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Donc, elle a fait des parures de draps pour recevoir nos amis comme ça. Il y en a comme ça. Et hop, on va passer par là. Regardez celui-là. Regardez celui-ci comme il est beau. On va vite dans la chambre. Je reviens. Hein. Hop, hop, on court. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est le petit endroit où vont dormir Charlie et Isa. Peut-être pas que dormir, on sait pas. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et voilà les poufs en haut. Voilà les poufs qu'elle a recolorés en tissu. Je vous dis, elle est complètement accro. Donc je retourne la voir. Passe partout. Vite, sors. Bon, tout ça pour vous dire. Oui. Viens là. Quoi? Nous allons prendre une petite pause, les bananes. Alors, on n'y est pour rien, hein, c'est de la faute de Charlie Isa. Hein. Nous allons s'occuper de nos amis. Donc, nous étions donc à Tanga, nous sommes revenus jusqu'à Dar es Salaam. Et nous allons sûrement faire ça ensemble, on ne sait pas trop, avec nos amis. Donc, on a déjà filmé, on filmera peut-être, mais on fera peut-être. C'est beau, toi. On va couper les bananes, on en prend après. Et donc nous allons prendre une petite pause de vidéo. Ouais, bah après ça va pas durer très longtemps. Pas très longtemps, ils sont là 15 jours. Parce après. Que là, ce qu'il va mettre là, c'est une autre vidéo, donc tu pourras mettre quand nos chats oui. sont là. Ouais, voilà. Donc, vous allez être ils iront déjà s'il faut une semaine. Dans une semaine, alors vous allez pouvoir tenir une semaine comme sans nous, ça va vous faire du bien. Voilà. Hein. De toute façon, je vais vous donner leur numéro de téléphone pour les insulter, leur adresse email, tout ça, Charlie Isa, parce que ça sera de leur faute, ça sera de leur faute à eux. Mais ce n'est pas que de leur faute, parce que en plus de revenir ici, c'est grâce à eux que je vais récupérer une nouvelle caméra. Et que tu vas pouvoir leur faire des jolis films. Des jolis films. Et j'ai deux GoPro, parce que du coup, au final, bah, y a deux GoPro qui arrivent avec le pataquès Amazon. Donc, c'est j'aurai quatre GoPro, une caméra, plein de trucs. Voilà. Donc, on fera tout ça après. Et qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Vous allez nous manquer un petit peu quand même. On va faire plus de sincérité. Ok, on l'a fait. Vous allez nous manquer un petit peu quand même. Ça me fait de la peine. Banane. Donc bon, on se dit au revoir, ce n'est pas un adieu. Juste un petit au revoir. En fait, dépêche-toi parce que je suis en train d'écrire et puis tu vas encore me faire le cinéma que j'ai pas fini mon texte. Non mais attends, là il y avait un petit peu d'émotion. Ok, pour dire au revoir aux bananes. Et toi tu nous mets carrément à la porte avec nos bananes. Alors, on la refait, s'il te plaît, tranquillement. Bon, j'en étais. Ce n'est juste qu'un petit au revoir. On se revoit dans pas trop longtemps. Parce qu'en plus de ça, il va falloir prendre une grave décision, une très grosse décision. Ah oui. Donc attendez, ça on dit pas au revoir aussi. Faut qu'on prenne une très grosse décision après. Hein. Là, parce que là, ils vont partir, ils sont là jusqu'au 25. C'est ça, jusqu'au 25. Et les bananas, vous savez quoi? On a notre visa qui se termine le 5 octobre. Il va falloir qu'on bouge de la Tanzanie ou renouveler le visa de Tanzanie. Qu'on prenne une décision. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les bananes? Est-ce qu'on passe dans le nord? Dans le nord, nous allons en Méditerranée, par la mer Rouge. Par là-bas. Nous allons affronter les pirates. Ou bien. Nous allons affronter les requins blancs de l'Afrique du Sud en passant par le cap de Bonne-Espérance. Ou 300 ans, 400 ans ou 500 ans en arrière, Bartolomé Diaz, en compagnie de Vasco de Gama, ont franchi ces caps redoutables. T'es pas une histoire, toi? Ouais. Ouais, je suis pas trop mal. Bon, en fait, ça va être compliqué parce qu'il va falloir quand même choisir. Nord, Sud, Est, Ouest. C'est bon, tu connais tes 4 points cardinaux. Oui, c'est bien. Bon, on les laisse tranquille. Bon, on a fait maintenant. Ouais. On va devoir vous laisser pendant quelques temps. Mais vous allez nous manquer. Vous allez nous manquer. Oui. Nous retrouvons peut-être dans une semaine. On vous aime.
Si vous ne savez pas quoi faire, que vous nous manquez, vous avez qu'à acheter notre t-shirt Black Lion. Comme ça, on sera toujours avec vous. Non, et ben par contre, moi, je veux bien recevoir les photos des bananas qui ont acheté des trucs parce que je trouve que c'est chouette. On fera une petite publication avec toutes les bananas, avec les t-shirts. Donc, on vous dit au revoir. On se retourne. Et on se retournera pas pour vous regarder. Bon, allez, ciao, à bientôt, bisous. C'est une grosse gamine. Et quand j'étais petit, vous vous souvenez de ça, il y avait la parure de lit automobile. Ça fait la forme de voiture de police et tout, en dessus lit, tout ça. Et je passais mon temps dessous, j'ai adoré. Mais j'avais 6-7 ans. Et en fait, Jacouille, elle ne fait jamais ça, jamais elle vient écrire. Jamais elle vient écrire dans la chambre. Et évidemment, aujourd'hui, elle a fait sa parure de lit. Mais Jacouille, elle a 4-5 ans. Moi, je vais écrire sur ma nouvelle parure de lit. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, quoi, toi, t'as Jacouille. Dis-lui que sa parure de lit est très belle.